C'est parti pour le quatrième épisode. Hey les gamers, c'est Kane et on se retrouve pour le quatrième épisode. Alors, la dernière fois, on s'en était arrêté à la sortie du donjon. Donc j'ai sauvegardé, et quand on sauvegarde, ça ne sauvegarde pas à la porte du donjon. Soit on sort de la maison de Link, soit on sort du sanctuaire. J'ai choisi la maison de Link, car on va aller chercher le fameux artefact que notre cher papy Sasrala nous a demandé d'aller chercher. Hein. Enfin, bon, en même temps, ça ne va pas lui servir, ça va nous servir à nous, mais c'est un artefact assez puissant. Et assez sympathique, et j'arrête pas de me bouffer des ennemis. Donc du coup, c'est parti. Allons le chercher. Donc il se trouve à l'est du lac Ilia. Et nous allons à l'est du lac Ilia. Quelques petits ennemis, mais rien de bien méchant. Ah, je me rappelle plus qu'on était aussi riche. On a pas mal de thunes. Hein. Oh là, le petit corbeau, tu vas te calmer. Tout de suite. Voilà. Ouf. La hitbox est passée à travers l'ennemi. Ça, oula ouais, ça explose. Ouais, on va les éviter. Ouf. On va éviter les petites pièges. On va pas passer notre temps à se battre, hein. On va foncer un peu. Alors, la grotte à l'est. Eh ben la voilà. Bah. Déjà ? Ah non, sérieux, quand même. Ah, je suis pas mort depuis le début du jeu, je me fais tuer par des comment ça s'appelle, des crabes. Sérieux, c'est quoi cette connerie ? Eh, hey, salut. On fait péter ici. Eh ben voilà, on a perdu une fée, ben on va en récupérer une, viens voir. Voilà, j'ai attrapé une fée, on va la mettre dans le flacon. Voilà, on a attrapé deux. Elles ont disparu les deux. Alors, c'est sûrement... Ok, ça se pousse pas, ça se pousse pas, ça se pousse pas. Je pense qu'il faut passer par dehors pour aller récupérer l'artefact. Il me semble, ouais, effectivement... que ça doit être. Et oui, effectivement, c'est par là. On reprend une bombinette. Et je mets la carte au lieu d'appuyer sur la bombe. Marqué, hein, c'est une solution comme une autre. Et les crabes, vous allez vous casser. Ou je vous éclate. Hop. Et... ta-da-da-da ! On a la baguette de glace. Glace que... C'est bourrasque magique, glacelaire. Mais surveille ton compteur magique. Ah ouais, ça pompe énormément d'énergie. Ok, ben on est parti pour le deuxième médaillon. Hein. On a le fameux artefact. La glacière sur patte. Ah bah non, je voulais l'outil. Arrêtez d'esquiver mes trucs de glace. Voilà, tu vas mourir. Bon, on n'a plus de magie, on va arrêter les conneries. Hein. Ça suffit. Passez-moi un boomerang. Ok, explose tout seul. Ok, alors, pour le deuxième, il me semble... Mais c'est pas vrai ces crabes, sérieusement. Alors pour le deuxième, il faut se rendre. Alors je crois que le deuxième, d'abord il faut aller dans le désert. Il me semble que c'est dans le désert. Ouais, c'est ça, c'est dans le désert. Eh ben, on va aller dans le désert. Ah, mais non, on peut pas aller dans le désert comme ça. Il faut retourner au village Cocorico. Et... il y a des petits trucs ici, bon, on va visiter un peu dans le coin là.
Non mais en plus je me reprends mes retours de soude de bombe quoi, sérieux. Voilà. 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 Oula, tu m'as l'air sympathique toi. C'est un secret. Ah bah moi je le veux bien ton secret, vas-y. Vas-y. Eh ben on récupère des bombes. Deux petits rubis. Des petits rubis. Et des petites flèches. Bah c'est parfait, moi j'aime ça. J'aime quand ça se passe comme ça. Alors, pour accéder au temple du désert, il faut déjà se barrer d'ici. On va retourner à la maison. On va y aller vite. Hop. Et voilà, on est à la maison. Oh, j'ai raté le... Bah non, je vais pas mourir maintenant. J'ai récupéré un cœur. Ah non, ça serait dommage de perdre... Mais il y en a pas de plus en plus là, les... Une fée. On va au village Cocorico chercher ce dont on a besoin. Est-ce que je suis parti dans le bon sens? Bien sûr que je sais plus. Et... On arrive par en bas. Ben, c'est parfait, c'est par là où je voulais arriver en fait. C'est parfait. On a les bottes. Ah, le jeu du coffre, mais on va pas le faire parce qu'on va perdre un peu trop de temps là pour le coup. Moi, c'est là que je voulais aller, exactement. Et pourquoi il faut aller là? Pour aller récupérer le livre de sort. Enfin, c'est pas un livre de sort, c'est un livre de prière. Le livre de Mudora, je me rappelais même plus comment il s'appelait. Ça te permet de déchiffrer l'ancien nom des Iliens et ça permet d'ouvrir les portes des donjons en fait, hein. Mais je crois que ça sert pour un ou deux, pas plus. En fait. On a un bouquin dans l'inventaire qui sert pas à plus. Il y a peut-être un autre truc, mais je sais pas ce que c'est. Ok. Alors si je me souviens bien, on m'a dit que j'ai oublié un truc dans. Alors j'ai oublié un truc là-dedans. Effectivement, j'avais oublié de faire péter le mur. On va faire péter le mur, c'est parti. Faudrait que j'arrête de me rapprocher un peu trop vite de la bombe là. Je vais me faire péter la gueule à un moment. C'est tout ce que ça va faire. Et le premier fragment de cœur. Et c'est reparti. Du coup, on a le premier fragment de cœur. Et oui, il y avait l'autre passage. Je crois que j'ai oublié de faire péter un mur. Passage qui est tout à gauche. On est en sécurité au village. Voilà. Effectivement, je crois que j'ai oublié de faire sauter un mur. Exactement. Donc à faire, on va récupérer, hein. C'est peut-être des rubis. Si c'est des rubis, j'en ai déjà 904. Et non, c'est un fragment, c'est cool. C'est cool, c'est cool, les fragments, c'est bien. Voilà. De toute façon, on est obligé de ressortir par là. Et ça va se refermer. Ok, on est bien. Eh ben, on va se rendre direction le deuxième médaillon. Ah merde, il s'est barré. Ah, on peut l'attraper.
Eh oui! Bizarre. Ah ouais, donc au début, en fait, tu leur attrapes. Je croyais qu'ils te donnaient un truc, tu m'en rappelles plus. Tu dis qu'il y a des objets dans les arbres. Ouais, d'accord, mais... pour l'instant, on s'en fout un peu, hein. Il n'y a pas de carte de cœur. Il me semble qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Viens voir, mon petit. Allez, on se prend en direction le temple. On perd pas de temps, on perd pas de temps. On y va. Le temple du désert. Ok. J'ai raté complètement la nuit. Et là, il y a une fée. Ah ben, on va la prendre tout de suite. J'ai tout fait. Ouais, j'ai tout. Pour y aller, il faut passer... d'accord, ok. Il faut refaire le tour. Eh ben, faisons le tour, c'est parti. Pousse-toi, ennemi. Passons par là. D'accord, bah passons pas par là, on va passer par là. Pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut pour passer par là. On va prendre ce qu'il y a. Et là, direction désert du mystère, attention aux mines. Je m'en rappelle plus, les mines. C'est qui lui? Il est marqué. Je ne parle pas, laisse-moi tranquille, je suis un vieil original, ne prends pas ma pancarte. Mais je vais quand même la prendre. Pourquoi tu prends ma pancarte? Indique-la à ma gueule. Il s'énerve et il me suit. Par contre, je ne sais plus comment on fait. Je crois qu'il s'énerve sur toi, mais je crois que c'est lui qui te donne une bouteille. Ouh, attention les corbeaux. Enfin, les vautours, c'est pas des corbeaux, c'est des vautours. Voilà, ça suffit. C'est vous qui êtes venu me chercher des noises. Ah, nous y voilà. Le fameux temple du désert. Qui n'est pas bien difficile au demeurant non plus. Voilà, et là, on prend le livre de Midora et on dit bonjour. Moi j'aime bien pour ouvrir le temple, faut faire juste une prière. C'est le mec qui a besoin d'un bouquin qui déchiffre de l'ancien langage. Et dans l'ancien langage, il dit fais juste une prière. Hein, c'est un concept, hein, c'est un concept de l'ancienne langue. Hein. C'est, d'ailleurs, c'est les... il n'y a pas beaucoup de trucs en ancienne langue. Hein. Ça suffit. Alors j'aime pas beaucoup celui-là, hein, le concept du temple avec du sable, c'est pas mon préféré. Par contre, on récupère un objet super. Ouais, je me rappelle aussi pourquoi c'est pas mon préféré. Arrêtez de me suivre, oui. Sérieux. Je me rappelle pourquoi c'est pas mon préféré. À cause des tours laser. Elles sont super chiantes. Bon, normalement, ça s'esquive pas trop difficilement. Et ça, c'est chiant. Voyons cette petite porte. Bonjour. Qu'avez-vous à nous proposer? Bonjour. T'es où, petit ami? Viens voir. Voilà, d'accord. Ça servait à rien. Hop, on va garder. L'arc. Ouvre ton œil. On va tirer dessus. Ouvre ton œil. On va tirer dessus. Voilà. En plus, 5 flèches, quoi. Je récupère mon état. Ouais, ok. Eh ben la map, direct. Alors, on est là. Ouais, il a déjà un peu plus d'étages celui-là. On va y aller. Tranquille. Un peu de magie. Hop, on va passer par là. Et là. Oh putain.
Tu sais qu'il y a pas mal de clés à la con qui se baladent. Du coup, on va essayer de les trouver. Oh là là. Tu m'as raté. C'est moi, ça sera là. Tu dois retrouver impérativement les trésors de chaque donjon. D'accord. J'ai récupéré d'abord la clé. Voilà, c'est bon, c'est fait. On va passer par là. Hein. Ah ouais. Le bouton. Il est pas là. Il est pas là. Voilà. On va essayer de tirer sur un truc. Qui est pas là. Qui est là. Il y a quoi dessus. Voilà. Ah bah oui, mais... Ah bah oui, j'ai pas la grande clé. Bon, au moins on sait où est le truc. Bah on va aller voir le bas, hein, tranquillement. On ira à droite, à gauche. Bon, allumer les torches, ça sert à rien. Ici, c'est ouvert. Ah bah non. C'était pas ce que je voulais faire. Je voulais juste ouvrir, moi. Je voulais pas me prendre un coup de rayon laser dans la tête. Ici, les ennemis sont décédés. Voilà, j'aime pas ces trucs qui tirent des... Voilà, ça se passe bien comme ça. Voilà. C'est chiant ces ennemis. Voilà. C'est bien. Bah par là, hein. Allons jeter un œil. Ah oui, si on peut sortir, alors dans celui-là, on peut sortir. Alors, c'est le premier donjon, on peut sortir. Et il y a un truc. Alors, je sais plus si c'est par là. Alors, faut pas tomber sur ces trucs. Il y a un quart de cœur. C'est important. Voilà. Et toi, t'es mort. Voilà. Ça aussi, c'est important. Et. Je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre. Ah si, tu peux passer. Ah ouais, bah ouais. Mais ouais, mais oui, mais de toute façon, l'objet va nous servir. On va pas tomber, hein, ça serait dommage. Redescendre. Hop. On garde ça. Hop. Je me trompe de bouton. C'est pas grave. On allume tout le truc. Je sais qu'il y a un. Il faut pousser un bouton pour ouvrir. J'ai dû claquer une fée ou pas? Non. Non, bah de toute façon, il n'y avait pas grand chose ici. Bon, bah c'est fait ça. On n'en parle plus. Ah merde, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas passer à travers. Ah, ouais. Ah bah même une fois qu'on est sorti, ouais, tous les boulets réapparaissent. Voilà. Une pierre trois coups. Eux c'est plus chiant en fait. Du coup bah, on a visité le coin, il faut bah, on va aller vers la droite, hein. C'est parti. On passe hein, parce que hein, on va se faire tous les ennemis de la map. Voilà. Par ici. Ici, il y a une petite salle. Voilà, c'était plus chiant. Normalement, on devrait tomber sur une clé, je crois. Ou pas. C'était juste une salle comme ça. Je m'en souvenais pas. D'accord. Voilà la salle avec la fameuse clé.
Et voilà les gamers, c'est déjà la fin de cette quatrième vidéo sur The Legend of Zelda Link to the Past. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour la cinquième vidéo. Un bisou. Un bisou.